Fin septembre, c'est la fête du Val de Scarpe à Salon-Romblangy. Retour sur ce week-end. C'est une très belle manifestation qui met en valeur le Val de Scarpe et tout ce qui a trait, c'est-à-dire les loisirs, l'attractivité, un retour à la nature, et qui commence aujourd'hui de façon symbolique, forte, attachante, puisque c'est la journée handicayak aujourd'hui. Et voir toutes ces personnes qui viennent pratiquer le bateau ici à Salon-Romblangy, qui m'ont commandé le beau ciel bleu que nous avons, ça fait, je veux dire, chaud au cœur, et puis ça nous ramène à un peu d'humilité. Bonjour Olivier, alors ce week-end c'est la fête en Val de Scarpe en Pas-de-Calais, alors est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, il s'agit de trois jours autour de l'eau. On convie le tout public et toutes les générations au plaisir, aux activités sur l'eau et au bord de l'eau. Et on démarre la première journée donc ce vendredi avec une opération handi-kayak où 12 instituts sont présents qui viennent de la région pour les personnes handicapées mentales ou physiques. Et c'est un grand bonheur aujourd'hui de mettre donc du monde sur l'eau, sur la Scarpe. Et avec le temps qui est de la partie. Tu vas faire une journée handi-kayak. Pour la base nautique, ça représente quoi comme investissement, comme matériel ? Alors, tout d'abord, effectivement, c'est du matériel adapté, hein, que ce soit des monoplaces ou des biplaces, parce que l'intérêt du biplace, c'est qu'on peut faire monter un valide avec un non-valide et on est sur l'eau dans un environnement qui n'est pas forcément connu par ces gens-là. Et donc ça, c'est absolument extraordinaire. Et puis, c'est également une formation de l'encadrement. Ça, je crois qu'il faut vraiment le préciser. Il y a 3 ans de formation, des choses bien précises, hein, parce que la mise en confiance de ces personnes-là et puis les techniques de base qu'on doit un peu réapprendre à ces gens-là. Et c'est vraiment un bonheur. Après, ben, on le fait avec son cœur et avec ses tripes. Et l'association, aujourd'hui, tout le monde se mobilise pour que ce soit une grande fête de ces personnes-là qui nous rendent bien en sourire, en remerciement quand ils repartent. Alors, nos amis handicapés peuvent venir toute l'année à la base nautique ? Oui, alors il y a deux secteurs. Il y a le monde associatif, effectivement, nous avons une section handisport à l'ASL. Aujourd'hui, fort de 14 membres, donc 5 qui ont participé au Championnat de France. On est déjà sur la perspective d'évolution sportive. Et puis, il y a bien sûr la base nautique municipale qui accueille des groupes en eau vive ou en eau plate, handicap physique ou mental, avec des cadres diplômés. Et donc, ça peut se passer tout au long de l'année. Je rappelle que le matériel est fourni. Il suffit simplement d'avoir de la bonne volonté. C'est la première fois que tu faisais... Qu'est-ce que tu as fait d'ailleurs ? Du canoë-kayak. C'était la première fois ? Toute seule, oui. Alors qu'est-ce que ça fait faire du canoë toute seule ? Bah, ça fait bizarre au début, mais voilà. Au début, voilà. Quoi. Et après, on se sent... Mieux. On se sent mieux. Tu en feras ? Bah oui, bien sûr. Alors qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Canoë. Tout seul ou avec quelqu'un ? Quelqu'un. Et qu'est-ce que tu en as pensé ? Bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative handi-kayak aujourd'hui ? Bah, c'était la première fois que je venais voir mes jeunes de mon groupe en fer. Et moi, bon, j'étais vraiment super étonnée de les voir aussi à l'aise, hein, de ne pas avoir d'appréhension sur l'eau et puis d'avoir beaucoup de sensations en fait. Parce que ce sont des jeunes quand même qui ont beaucoup de troubles du comportement pour certains, qui ont des angoisses, du stress dès qu'il y a une situation nouvelle. Et là, c'est rien que du plaisir. Donc c'était vraiment génial. C'était la première fois donc aujourd'hui ? Non, ils en font en fait, pour certains, ils en font toutes les semaines, en automne et au printemps. Mais moi, ça fait un moment que je ne les avais pas vus et j'ai vu en fait l'évolution. Le fait d'en faire régulièrement, maintenant ils prennent du plaisir. Au début, il y avait beaucoup d'appréhension et maintenant, c'est rien que du plaisir. Quelle est la place du département dans cette manifestation ? La compétence départementale, c'est bien sûr le handicap, puisque nous avons comme compétence la gestion des problématiques du handicap. Donc bien évidemment que le Conseil Général, qui est une institution de solidarité, se retrouve dans ce type d'événement, surtout quand il est porté comme... On le voit aujourd'hui avec une organisation qui implique tout le monde, c'est-à-dire que c'est à la fois des professionnels, des amateurs, des familles, des enfants, des jeunes, c'est intergénérationnel, ça correspond pleinement aux objectifs qui sont fixés par la politique départementale. Chaque participant à cette matinée handi-kayak s'est vu remettre un diplôme. Demain, ce sera le tour de
du rafting, de l'eau vive, place à l'eau vive avec un challenge rafting ouvert aux associations, aux entreprises ou aux familles. Donc n'importe qui peut venir. Le rafting, alors qu'est-ce que c'est comme discipline ? Le rafting, c'est du kayak ou du canoë ou du kayak en eau vive, mais dans des gros boudins gonflables. Donc ça démystifie complètement le problème de l'eau vive pour ceux qui sont un peu d'appréhension. L'intérêt, c'est qu'on peut y être à quatre dans le bateau, donc ça permet d'avoir des relations, des sensations inouïes. C'est fun, c'est du grand plaisir, on se mouille un peu, mais c'est que du bonheur. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? On a fait déjà deux fois la descente en rafting. Et on a fait du longe-côte ce matin. D'accord, et c'est dans quel cadre en fait ? En fait, on est un club de canoë-kayak de Boulogne-sur-Mer. On fait du longe-côte le matin en mer. Et là, on a dit, on va se promener avec les copains. On est venu en promenade à Saint-Laurent. D'accord, et ça vous a plu ? Oui, très bien. Super, en plus on a le temps avec nous, tout va bien. D'accord, et vous reviendrez ? Oh oui, bien sûr, sans problème, dès qu'on nous invite. Et puis dimanche matin, c'est le raid sportif. Donc VTT, canoë et course à pied, ce qui va aller sur les collines d'Artois, qui va passer dans la communauté urbaine, avec départ donc et arrivée sur Saint-Laurent-Blangy. Et l'après-midi, bien à partir de 14h30, la base nautique municipale sera ouverte à tout public pour des promenades en calèche, des promenades en bateau de plaisance, également du tir à l'arc, de la sarbacane, des jeux pour les tout petits, structures gonflables, mais également des petits pédalos. Hein, et puis pour les plus grands et les plus téméraires, de l'eau vive et également de l'eau plate. Que le raid Val de Scarpe, c'est quelles épreuves ? Alors, c'est donc course à pied, 4 km environ, c'est du VTT 24 km et puis du canoë 3 km. C'est vraiment adapté à tout le monde. On a 150 équipes et on en a 70 qu'on a refusées. 150 équipes de 2 personnes avec un grand bonheur parce qu'il y a beaucoup de couples qui ont, pendant l'été, ont repris le sport pour participer à cette épreuve. On n'est pas un triathlon international, on le dit chaque année, mais j'insiste vraiment. On veut rester avec des valeurs, avec une identité ludique, sportive et de famille. C'est vraiment l'identité de cette fête du Val de Scarpe où on veut regrouper l'ensemble des générations autour de l'eau. Et puis nous, on le dit et on le voit aujourd'hui grâce aux efforts des élus et ce qui a été fait. Ce n'est pas un canal qu'on voit, c'est une rivière qui va retrouver ses atouts avec ses bords de scarpe déjà, qui sont beaucoup plus sympathiques avant. Bernard Berthaud et Laurent Fleur. C'est la deuxième fois que vous gagnez. Ouais. Quel effet ça fait ? Content, on aurait été surtout été déçus de perdre. Voilà. Moi, c'est la première fois, parce que c'est la première fois que je fais équipe avec lui. Donc, Et c'est... votre temps, c'est quoi ? 1h52. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette édition du rallye On a de la chance, il fait beau, le temps est clément, le parcours est sympa, il y a du monde, donc forcément, on peut être que content. Hein. Le fait qu'on passe plusieurs fois dans le site, c'est bien. C'est bien, ça, c'est bien, ça c'est... booste. Ouais. Au niveau de la réalisation ? C'est super. Ouais. Bon, on connaît le travail qui est fait en amont et on peut que les féliciter. C'est une belle course, bien tracée. Et bien organisé. Alors bonjour, c'est une première participation ce raid ? Non, c'était la deuxième fois. C'était la deuxième fois, on l'a fait il y a 2 ans. Donc vous êtes arrivé premier couple mixte, quel est votre temps ? J'ai oublié d'arrêter à le chrono. Peu près, on a 1h09, donc ça va faire 1h05 à peu deux près. Heures. Deux heures cinq. 1h05 ouais. Ouais. Quelle est votre impression pour cette édition ? Bon, c'était génial, nickel, c'était bien. Très bien organisé, très bien fléché. Aucune hésitation sur les fléchages. Il y a 2 heures, c'était roadbook, alors c'était plus difficile, là, il fallait foncer. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce rallye ? Très bien, canoë, très très bien. Ouais, c'était pas mal, c'est un bon parcours. Alors t'es galant, j'ai vu que t'avais pris le vélo de ta coéquipière. Elle avait peur de tomber dans l'eau. C'était ça ou vélo et moi dans l'eau, alors il fallait gérer. Qu'est-ce qui a été le plus dur ? VTT dans les champs. Pour toi ? Bon, moi ça a été dans l'ensemble. Qu'est-ce que tu as pensé des innovations cette année ? Une limite. Au niveau VTT c'était plus roulant que les autres années. Et le ponton ? Le ponton, s'il n'y a rien de chaque côté, j'aime pas trop. Une édition 2012 renouvelée, une grande réussite sous le soleil.